Nous sommes le 28 2020 et 2023 au mois de janvier. Je vois des voix qui sont en train de s'élever contre la première dame, Denise Nyakera. Toi, tu n'es pas en train de défendre ton mari. Toi, tu n'es pas en train de défendre ton mari. Tu ne vois pas comment Olive Lembe est en train de le faire. Pourquoi vous aimez chaque fois comparer ces deux dames-là? Pourquoi vous voulez que les gens soient similaires? Pourquoi vous voulez que si l'autre est souriant, que l'autre soit souriant? Si celui-ci n'est pas souriant, que l'autre. Chacun a sa nature, chacun a sa vision, chacun a sa façon de penser. On est en train de mettre la pression. Et dans la famille politique, et dans la famille biologique, et dans la famille professionnelle. Oh non, toi tu n'es pas. Et les fanatiques, toi tu n'es pas en train d'appuyer. Ça va faire un bruit. Je vois un bruit tout autour de Denise. Et la dame, je la vois organiser comme un. Je ne sais pas si c'est une conférence débat ou quoi, je ne sais pas. Et elle veut à tout prix parler de la politique, du travail et des accomplissements de son mari. Elle est en train d'expliquer la politique de son mari, mais personne ne comprend. La population est en train de dire seulement, nous ne comprenons pas la politique de votre mari. Nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Nous ne comprenons pas sa manière de gérer. Nous ne comprenons rien. La dame, elle fait tout pour expliquer aux Congolais le système politique de son mari, le travail, la vision, mais Congolais refuse. La dame fait tout. Maman a battu un amour au salon nyos. Pour y ça va Congolais, vision ya mobali na ya musala va zumbui. Les gens ne veulent pas. Et après, je la vois à mes côtés, s'asseoir. Quitter là-bas là où j'étais, là où elle était, elle vient s'asseoir là où j'étais. Mais elle ne savait pas que c'était moi. Elle était en train de me poser des questions. J'ai voulu l'aider en lui disant des choses. Elle a ignoré. Ça veut dire que dans les jours qui sont devant nous, on va faire de bruit tout autour d'elle sur la question. Pourquoi tu n'es pas en train de faire ceci pour appuyer, soutenir ton mari, faire ceci, l'amener à ça, 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 ça? Elle va sortir de cette coquille, elle va commencer à chercher à faire des interventions pour expliquer ceci et cela, faire comprendre le système, faire comprendre la politique, l'ingestion de son mari, comment ça se passe, mais les gens vont refuser. On ne va pas. Elle ne va pas avoir grâce devant le peuple. Il y a une grâce qu'ils ont perdue devant la population. Et Kamani, dans cette vision-là, c'est la sagesse de Dieu dont elle a besoin, pas la prière. Elle a besoin des conseils des vrais serviteurs de Dieu. Des gens qui vont l'aider, qui vont lui dire quoi faire. Mais les gens qui doivent lui dire quoi faire, elle les ignore, elle les oublie, elle fait semblant. Et c'est là le problème. Maman, tu dois faire quelque chose, mais pas dans. De la manière dont tu es en train de le faire. Si tu pouvais me comprendre, cherche un vrai serviteur de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu qui vont te donner des conseils sages, pas la prière. Et arrêtez d'ignorer les gens qui ont la grâce. Arrêtez d'utiliser tes yeux, regarder ce que tu penses, que ça brille, que c'est normal. Tu as besoin de la grâce, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Si tu vas recevoir ce message, et de moi que ce message arrive à Maman Denise. Si tu vas recevoir ce message, si tu ne vas pas les recevoir, ce n'est pas mon problème. Moi, je te dis, la population congolaise te vomit toi. En parlant, ce n'est pas de toi, mais la politique de ton mari. Ils vont vomir ça. Et tu vas essayer de les faire comprendre, ils ne veulent pas. Mais tu as besoin d'un homme de Dieu pour te donner la sagesse. Mais l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu dont tu as besoin, ce sont ceux-là que tu ignores. Que Dieu vous bénisse. Retournez-moi ces messages, s'il vous plaît. Vous allez prendre ces messages, vous allez me retourner, je vais les. On va les partager. La Bible dit.